Donc, couture. Ong, tu me brasses pas comme toi, que j'aimerais qu'on était petit samnaka, n'en dol, vitica, chute, t'en as fabriqué un trait, n'en bai, minon kahan katan, son boudin dol, t'en pour s'assayer de lui. Son rumlek dol, t'en as fabriqué un trait, ta, stand up hip, n'ai, comme rat yodang, de bosse à sa yodni. មានកម្រិតទៀតណាដូច្នេះសូមឲ្យលោកតំណាងថាបរិញ្ញារៀបចំនៅសំណួរសាមញ្ញហើយនឹងខ្លីដើម្បីបានងាយយល់ហើយនឹងអាចឆ្លើយតបបានហើយសំខាន់សូមពិនិត្យផងដែរលើភាពពាក់ព័ន្ធនៃចម្លើយរបស់គាត់ដែលធ្លាប់ឆ្លើយនៅក្នុងឡុងពេលដំណើរការជាពុះមុខផ្ដល់ទៅខៃកម្មជាពុះមុខអ្នកស៊ើបអង្កេត Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bon après-midi, Messieurs et Madame les juges. Bon après-midi, Monsieur le témoin. Je vous demanderai, comme vous l'avez fait tout à l'heure, de répondre de manière aussi précise aux questions qui sont posées et de bien vouloir attendre que la traduction soit faite vers le français, parce que cela prend un certain temps avant que je vous repose une autre question. Juste une petite chose, Monsieur le Président, concernant l'évacuation de Takeo. En réalité, vous aurez compris que nous essayons d'établir un modus operandi concernant les différentes évacuations qui ont lieu dans le pays, et éventuellement voir quelles sont les similarités avec celles de Phnom Penh. Et je voudrais simplement, en une minute, lire la déclaration de Monsieur le témoin devant les juges d'instruction, une déclaration qui porte la référence D208-18, et pour aller vite, il s'agit d'un extrait qui se trouve à la page 3 dans chacune des langues. Donc en khmer, en anglais et en français, ça se trouve à la page 3. Alors deux ou trois questions ont été posées par les enquêteurs des juges d'instruction à Monsieur le témoin. La première était: au moment de la libération de la ville de Takeo, à quels événements avez-vous assisté? Réponse de Monsieur le témoin. Au moment de la libération de Takeo, les habitants ont été évacués vers l'arrière. Les soldats de l'ONOL capitulés ont tous été attachés, puis transportés par camion vers l'arrière. J'ai vu des gens morts dans les rues de la ville. Je ne savais pas s'ils avaient été des militaires ou des habitants. Et puis une autre question est posée un peu plus loin. Qui a ordonné aux habitants de quitter la ville? Réponse du témoin: c'était les dirigeants du district qui ont donné aux habitants l'ordre de partir. Si quelqu'un s'y opposait, on donnerait l'ordre de le fusiller. Fin de citation. Monsieur le témoin, est-ce que vous avez entendu ce que j'ai lu de vos déclarations devant les enquêteurs des juges d'instruction? Et est-ce que vous confirmez avoir dit cela? សូមសំពេលលោកមេធាវីជាបឋមចំណាត់សូមគ្រប់លោកប្រធានសូមគ្រប់លោកស្រីចៅក្រមនិងអង្គសាវនាកាំងទាំងមូលដោយសារការយល់ដឹងរបស់កូនក្តីរបស់ខ្ញុំមានកម្រិតដូច្នេះសំណួរដែលលោកថាប្រាជ្ញាចោតសួរខ្ញុំបាទចង់ពន្យល់កូនក្តីខ្ញុំបាទសាកសីដើម្បីឲ្យគាត់មានលទ្ធភាពអាចឆ្លើយសូមអរគុណ មិនអាចធ្វើដូច្នេះបានទេបាទព្រោះសិស្សស្រីមេធាវីប្រឹក្សាគឺប្រឹក្សាតែពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណួរដាក់បន្ទុកលើខ្លួនឯងទេ
អរគុណដែលមានចិត្តដូចនេះប៉ុន្តែកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីនេះមិនអាចប្រព្រឹត្តទៅដូចនេះបានទេ លោកតំណាងសាប្រញ្ញាតាំងសំណួរសាជាថ្មីម្ដងទៀត ហើយតាមការស្ដាប់របស់យើងខ្ញុំលើការអត្តសញ្ញាណឯកសារដូចជាមានការភ័ន្តច្រឡំ D 208 លើ 18 មិនមែន 208 លើ 18 ទេ តំណងឬក៏មានឯកសារផ្សេងពីនេះ សំលោកបញ្ជាក់ជាមុនលើ Oui, effectivement, Monsieur le Président, il s'agit de D280-18. Il y a une copie en français qui porte une cote erronée, c'est pour cela que je me suis trompé. Je vais peut-être reprendre la question de manière plus simple. Monsieur le témoin, je viens de lire en fait les déclarations que vous avez faites devant les enquêteurs des juges d'instruction. La première partie de ces déclarations était de dire que les soldats de l'ONOL qui avaient capitulé ont tous été attachés puis transportés par camion vers l'arrière, donc au moment de la libération de Takeo. Est-ce que vous confirmez ce que vous avez dit devant les juges d'instruction concernant ces soldats de l'ONOL? Et est-ce que vous confirmez ce que vous aviez dit à l'époque aussi, il y a 3 ans, que vous avez vu des gens morts dans les rues de la ville, mais que vous ne saviez pas si c'était des militaires ou des habitants? ចឹងលោកនៅតែរក្សាចម្លើយនេះដដែលឬអូនកាលខ្ញុំបានឃើញមិនមែនកាលហ្នឹងខ្ញុំមិនសើចឡើយមុនពុះខ្ញុំភ្លេចហ្នឹងណាទៅវាភ្លេចហ្នឹងបានឃើញកាលម្ដងកាលវាដឹកប្រមុខស្រ້ອຍក្រោយមកច្រើនដែរប៉ុន្តែចំពោះខ្លួនខ្ញុំវាអត់ដូចឆ្លើយល្មុនអត់បានដឹងហ្នឹងបានឃើញតែអ្នកណាគេបញ្ជាឲ្យទៅទៀតគួរខ្ញុំវាមិនបានចាក់រំដែររឿងហ្នឹង Et la dernière chose que vous aviez dit également aux enquêteurs, c'est que c'était les dirigeants de district qui avaient donné aux habitants l'ordre de partir. Si quelqu'un s'y opposait, on donnerait l'ordre de le fusiller. Est-ce que vous confirmez que si quelqu'un s'opposait à cette évacuation à Takeo, cette personne serait fusillée? Et vous avez vu tout cela ou vous avez seulement entendu parler de cela? Vous avez dit que vous avez vu les cadavres. Est-ce que vous avez vu également des exemples de gens qui se sont opposés à l'évacuation? Nous allons passer maintenant à un autre sujet qui est celui de votre travail au ministère des Affaires étrangères que vous avez dit tout à l'heure. Combien de temps, donc après la libération de Takeo,
êtes-vous arrivé à Phnom Penh? ខ្ញុំមកភ្នំពេញទុងខែឆ្នាំ1960ជួចទៅកាត់បែកភ្នំពេញហើយបានរយៈពេលកន្លះខែល្បងយកឲ្យមកខ្ញុំមករៀននៅបឡាចែកប្រទេសសូវៀតនេះដល់ឲ្យគេរៀនចប់ហើយឲ្យចែកការងារទៅនៅតាមស្ថានទូតហើយខ្ញុំគឺចាត់តាំងទៅនៅផ្ទះលេងអំពិលហ្នឹងតបង Est-ce qu'on vous a expliqué pourquoi vous aviez été sélectionné pour partir à Phnom Penh? Dans la ligne rien sur que mon jour le bon qui frappe de que n'est non d'un qui est chum. ឈ្មោះអ្នកប្រជុំនឹងមានតែហុងនេះណាហៅទៅប្រជុំពលនៅមើលភ្នៅថាណែនាំកុំអោយនិយាយប៉ះពាល់ខាងផ្នែកនយោបាយហើយខ្ញុំយុត្តជនអស់នេះក៏ស្ដាប់គេដែរមិនខ្ចីក៏ខ្ញុំមិនដឹងទេតែខ្ញុំនៅជាមួយចិនខ្ញុំយុត្តជនជូនភ្នៅដល់លេងអញ្ចឹងទៅអ្នកបម្រើទេអត់យកបង Merci, je vais vous demander de, encore une fois de répondre précisément à la question et ne pas aller trop vite en besogne. On va revenir sur certains de ces points-là. Donc, vous avez parlé d'une formation. Vous avez dit tout à l'heure que c'était une formation qui avait duré à peu près une semaine. Où a eu lieu cette formation? Et combien de personnes y ont participé? រៀនតូចនោះគេបើនៅក្នុងមន្ទីរហ្នឹងមានប្រមួយអ្នកលពូរៀនមានប្រមួយអ្នកដល់ហើយអញ្ចឹងគេណែនាំយើងគ្រប់បញ្ហាទាំងអស់ការងារដឹកនាំរស់នៅជាមួយគេហ្នឹងមួយភ្ញៀវបរទេសហ្នឹងណាហើយដល់ហើយវាមួយនោះវាបើកឡានជូនភ្ញៀវទៅមានគ្រូថ្នាក់ទៅគេចាប់គេថាគេមិនថាចាប់គេថាដកទៅក្រោយ ហើយដូចឆ្លើយមុនហ្នឹងណាដូចនៅក្នុងនេះវាចាប់ដកឆ្លើយក្រោយមកដល់នឹងយើងទៅនិយាយទៅណាក៏ដឹងដែរដល់ចំពោះខ្លួនខ្ញុំទៀតគេយកខ្ញុំនេះមកដាំឆ្ពីនៅក្រុងតាខ្មៅហ្នឹងមករយៈពេលខ្ញុំមិនបីខែបានគេយកខ្ញុំមកនឹងវិញមកនៅមួយភ្នៅវិញ Merci, monsieur le témoin. Je voudrais juste revenir à la formation qui a duré une semaine. Si on peut se limiter à cette période d'une semaine de formation quand vous êtes arrivé. Vous avez dit qu'on vous a parlé de la façon dont il fallait accompagner les autres. Que vous a-t-on dit également concernant les règlements appliqués ou la discipline qui était en vigueur au ministère des Affaires étrangères. Alors, qu'est-ce que vous pouviez faire avec les invités, qu'est-ce que vous étiez autorisé à faire ou à dire, et qu'est-ce que vous n'étiez pas autorisé à dire ou à faire en présence des invités? Quand vous parlez d'invités, vous voulez parler d'étrangers ou également de Khmer qui se déplaçaient dans le pays?
Que vous a-t-on dit lors de cette formation? Si jamais vous parliez de politique aux invités, est-ce qu'on vous a dit quelles seraient les conséquences, quelles seraient les sanctions si vous le faisiez? Oui, bien sûr, je vous ai dit que vous avez 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 dit que bà dương khóc thì nè nói với nó cái đọ dương mình trả cái đọ mà nó đọ xin một đôi xin đọ đông đọ tôi đọ là má nó trả chưa cái nắng anh em nó vẫn nó đăng tiền cho mấy qu'entendez-vous par être retiré et envoyé vers l'arrière? Est-ce que vous pourriez être plus précis? Qu'est-ce que cela voulait dire à l'époque? Que lors de déplacements avec des invités, certains invités vous posent des questions. Et qu'est-il arrivé alors? Sau tình tôi cái ăn hộp đá đó mình bị bật ở đây hố bên đằng chọc luôn. Pendant l'exercice de ce travail que vous aviez accompli avec les invités, est-ce qu'il vous est arrivé justement d'avoir peur? Peur de franchir la limite et de dire quelque chose qui relevait de la politique. Combien de mois ou d'années à peu près? Je sais que vous avez des problèmes à vous souvenir des dates. Mais combien de mois ou d'années environ avez-vous travaillé au ministère des Affaires étrangères, au service des ambassades ou des invités? Merci, mais
Ça veut dire à peu près combien de temps vous êtes resté dans cette fonction avant, vous avez dit, d'être envoyé vers l'arrière à Takmao, si je me trompe pas. Et est-ce qu'après être envoyé à Takmao, donc vers l'arrière, est-ce que vous êtes revenu au ministère des Affaires étrangères ou pas? D'accord. Quand vous travaillez, vous avez dit à l'ambassade de Chine, comment s'appelait la maison où était logée l'ambassade de Chine? Merci. Lorsque vous étiez à la maison numéro 7, est-ce que vous assistiez à des réunions de travail sur place? Est-ce que vous pourriez nous dire qui était ce Hong exactement? Est-ce qu'il avait un autre nom? Est-ce que vous savez quelle fonction il occupait au sein du ministère des Affaires étrangères? Merci. Est-ce que vous avez assisté à la maison numéro 7 ou bien au ministère des Affaires étrangères à des réunions de critique et d'autocritique? Est-ce
Est-ce que les participants à ces réunions de critique et d'autocritique, dont vous-même, avaient peur d'être critiqués ou dénoncés par les autres? Merci. Nous allons revenir à cet épisode de M. Chong par la suite. Est-ce qu'en plus de ces différentes réunions au niveau de la maison numéro 7, est-ce que vous avez assisté à de plus grandes réunions encore au niveau du ministère des Affaires étrangères, avec peut-être du personnel d'autres maisons ou d'autres sections du ministère? Comment appelait-on le bâtiment du ministère des Affaires étrangères? Est-ce qu'il avait un nom de code? Peut-être que je me suis mal exprimé. Je voulais parler des bureaux principaux du ministère des Affaires étrangères. Est-ce que vous connaissez le numéro de code, le nom de code de ces bureaux-là? Je vais revenir à une question précédente. Est-ce que vous auriez assisté à des réunions de bilan à B1? Est-ce que lors des réunions auxquelles vous avez assisté alors, si c'était à la maison numéro 7, est-ce qu'on vous a parlé des positions politiques à adopter? Est-ce qu'on vous a parlé lors de ces réunions d'ennemis ou de traîtres? Quand on vous a parlé lors de ces réunions d'ennemis ou de traîtres?
Et donc, est-ce que durant toute la période où vous avez travaillé au ministère des Affaires étrangères, vous vous sentiez effectivement surveillé par vos autres collègues? Et si quelqu'un au sein de votre groupe observait qu'un des collègues commettait une faute, avait-il l'obligation de le rapporter, soit lors des réunions, soit directement à son chef? Merci. Alors, je vais maintenant revenir en tout cas aux biographies que vous avez dû rédiger pendant la période où vous étiez au ministère des Affaires étrangères et aussi durant la période où vous étiez déjà à Takeo. Est-ce que vous pourriez nous dire, vous avez dit tout à l'heure que vous aviez rédigé une biographie trois fois par jour. Est-ce que là vous parliez d'une biographie que vous avez rédigée à Takeo ou d'une biographie que vous avez rédigée au ministère des Affaires étrangères? Qui au ministère des Affaires étrangères vous avez demandé de rédiger cette biographie? Est-ce qu'il vous a expliqué pourquoi vous avez dû recommencer la rédaction de cette biographie? Est-ce qu'il y avait des éléments qui manquaient chaque fois?
Qu'avez-vous dû mentionner dans cette biographie suite aux critiques que vous aviez reçues lors d'une réunion? Est-ce que durant votre rencontre avec les enquêteurs des juges d'instruction, est-ce qu'on vous a lu un document qui était votre biographie à l'époque? Monsieur le Président, je sais que le témoin n'est pas capable de lire, mais je voudrais simplement pouvoir lire certains extraits d'une biographie qui figure à la référence IS19.72, et c'est une page unique qui porte les références IRN en Khmer 00019 490 90. En anglais 00 79 91 77, et à ma connaissance il n'y a pas encore eu de traduction en français. Donc avec votre autorisation, je voudrais lire quelques extraits puisque je ne peux pas le montrer au témoin. Peut-être par contre que nous pourrions l'afficher sur les écrans à destination des parties et du public. C'est une biographie de Monsieur Khem Ngon. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le témoin, je vais vous lire quelques extraits d'une biographie et vous allez nous dire s'il s'agit de la vôtre. Il y a une première section qui s'appelle Histoire personnelle. Alors, je vais devoir le lire en anglais parce que la version française n'existe pas. Il est indiqué Name Khem Ngon, 19 years old, birthplace Taeng Village, Anknao Commune, Ko Andet District, Takeo Province. Ensuite, il est écrit Social Status Poor Peasant, Education 10th grade, joining the revolution in mid-1973, duties assigned by the Angkor, firstly, An Ang Khnao Commune Militia, Monsieur le Président, il y a un problème de traduction dans les cabines.
Merci, je ne sais plus où je dois reprendre, Monsieur le Président, mais je vais reprendre rapidement. Donc, Kumgurn, 19 years old, birthplace, Taiyang Village, Anknao Commune, Co-Andet District, Takeo Province. Social status, poor peasants, education, 10th grade. Joined in the revolution in mid-1973. Duties, firstly, an Anknao Commune Militia. Secondly, worked at Co Andet District Office. I'm going to repeat this. Firstly, Anknao Commune Militia. Secondly, worked at Co Andet District Office. Thirdly, worked at the District Police Office. Moral conduct of living with integrity. Activities medium. And medium activities. Political tendency before 17th of April 75. No connection with the enemy. Voilà pour la première partie de cette biographie. Est-ce que vous reconnaissez si c'est bien votre biographie, Monsieur le Témoin? Lok tutu skol than ni pet chie pravat rup robah lok dai rute lok sak sai. Il y a plusieurs choses, Monsieur le Témoin, qui nous intéressent dans cette biographie. Quatre choses essentiellement. D'abord, la mention du statut social. Il est marqué que vous êtes un paysan pauvre et si l'on se réfère également à ce qui a été écrit concernant vos parents, la même mention se retrouve indiquée. Paysan pauvre. Est-ce qu'il était important sous le régime du Kampuchea démocratique d'appartenir à la classe des paysans pauvres? Pour qu'on vous fasse confiance. Un autre point, il est dit que là, concernant votre conduite morale, qu'elle était intègre. Et vous avez dit la même chose de vos parents, comme It et Chukin. Qu'est-ce qu'on entendait par conduite morale intègre sous le régime du Kampuchea démocratique? Ensuite, vous parlez d'activités, vous dites qu'elles sont moyennes. Est-ce que vous saviez de quoi il fallait parler en parlant des activités? Pourquoi est-ce que vous avez indiqué que vos activités étaient moyennes? Car lần phương thì thôi thì đã thì đọp tôi về là những vụ thì số đã tôi bị đã tàng quỳ tâu. Anh cả nó vẫn vô ai thì đã tạm quỳ đó. Để cái chồng tiệt
ខ្ញុំមិនធ្វើការមួយគេមួយហើយឲ្យគេដាក់ខ្ញុំទៅធ្វើក្រមហ្នឹងអាឡឹងមិនហ្នឹងឯងខ្ញុំមិនចេះទេដល់ធ្វើខ្ញុំមិនចេះនេះទួលនេះស្រុកគេហ្នឹងថាថាកាលហ្នឹងដល់ពេលធ្វើបាត់រូបមានណាដូចជិតមិនភូមិលិចិត្តគ្មានទេមានហ្នឹងធ្វើឲ្យតាមកាលហ្នឹង Merci. Enfin, dernière mention, tendance politique, vous avez indiqué que vous n'aviez pas de connexion avec les ennemis. Et vous avez dit la même chose concernant vos deux parents. Pourquoi était-il important de mentionner que vous n'aviez pas de connexion avec l'ennemi? អង្គការខ្ញុំដាក់រួមកាលទៅតនមានទេពូដល់ពេលដែលខ្ញុំចេញទៅធ្វើការមកនៅភ្នំពេញអង្គការនោះខ្ញុំដាក់អត់មានពូដល់ពេលខ្ញុំចេញមកធ្វើការនៅជាមួយភ្ញៀវបរទេសនៅទីក្រុងភ្នំពេញគេធ្វើបាត់រូបគោខ្ញុំសង្ស័យឡើងបានគេចាត់ទុកខ្ញុំនាងបានខ្ញុំធ្វើបាត់រូបភ័យហ្នឹងបើកាលធ្វើបាត់រូបវាធ្វើល្អចោះតែ ហើយបានប្រហែលតឹងគេបើគេឃើញដកបាត់រូបល្អតឹងដកទៅ6ដាក់ហ្នឹងទៅនៅធ្វើការបរទេសហ្នឹងដល់ពេលហ្នឹងវាដល់ពេលចិត្ត 6 ចិត្ត 5 ហ្នឹងក្នុងវងហ្នឹងដល់គេពិនិត្យខ្លាំងវាធ្វើល្អទូធ្វើល្អតាំងពីមុនដល់ពេលទៅធ្វើចុងក្រោយវាចាត់ទុកយើងតែខុសនោះគេណាបើតាមដានវាពូលហ្នឹងជាប់ Mais la biographie que je vous ai lue mentionne d'une part que vous étiez un pauvre paysan de bonne moralité, sans relation avec les ennemis, et que vous aviez un niveau d'activité moyen. Est-ce que c'est cela que vous appeliez une bonne biographie? Est-ce que vous avez entendu parler aussi du concept de biographie pure? Est-ce qu'on vous a parlé de biographie pure sous le régime? ខ្លឹមសារនៃពាក្យគេហៅថាប្រវត្តិរូបបរិសុទ្ធស្អាតស្អំបាទតើមានគេនិយាយអញ្ចឹងប្រាប់លោកដែរឬទេគឺមាននិយាយដែរគេប្រាប់គេធ្វើបទរូបថារកបទរូបដែលល្អពូហ្នឹងថាយើងដាក់ដល់ទៅមានតាក់ទាមអីទេគេដាក់ទៅតែខ្ញុំវាមិនចេះដាក់មិនចេះដាក់អ៊ឺងគេទៅបានធ្វើការមួយគេហ្នឹងពួកខ្ញុំវាមិនសូវយល់ហ្នឹងគេមិនចេះ Je voudrais encore essayer de clarifier une dernière fois la période à laquelle cette biographie précise a été rédigée. En réalité, il est mentionné tous vos différents travaux à Takeo, dans le district de Kohandet, mais il n'est pas mentionné votre travail au niveau du ministère des Affaires étrangères. Est-ce que c'est une biographie que vous avez rédigée avant de partir vers Phnom Penh, en arrivant à Phnom Penh, ou plus tard, quand vous étiez déjà en train de travailler au ministère des Affaires étrangères? បាត់រូបមកធ្វើលើកទី1ធ្វើតាំងពីនៅតំបន់នៅស្រុកនោះលើកទី1ពូដល់ពេលលើកទី2ធ្វើនៅសួនកាបរទេសហ្នឹងបាត់រូបលើកទី1គេកាក់យើងដាក់គេដាក់យើងល្អដាក់កាត់ស្គរវាជប់ដាក់មិនជាដាក់ទៅបើហិញចេះបានដៅនៅឃើញនឹងដល់ខ្ញុំឡើងបំពេញធ្វើបាត់រូបភាសាទៀតណាដែលដល់ពេលឆ្នាំជិត 6នោះវាធម្មតាប្រកាន់លោវាមានបបអូនខ្ញុំយកវាយចោលអញ្ចឹងវាឃើញធ្វើបាត់រូបសាទៀតអង្ការពីលើកដំបូងលើកនៅតំបន់វាធ្វើបាត់រូបមួយខ្ញុំហ្នឹងដល់ពេលទៅសួនកាបរទេសខ្ញុំធ្វើមួយទៀតហ្នឹងគេហ្នឹងកំណត់ធ្វើមានតែម្ដងឯងបាត់រូបធ្វើនៅភ្នំពេញធ្វើពីរបីដង
Merci. Concernant la deuxième biographie, qui n'est sans doute donc pas celle-là, mais que vous avez rédigée au ministère des Affaires étrangères, vous avez dit que c'était probablement après que des membres de votre famille aient connu des difficultés. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi consistaient ces difficultés de membres de votre famille au sein des coopératives ? Thank you, Mr. President. My apologies for interrupting, but as I understood the testimony from the witness, he suspected that perhaps he was asked to write his biography. He suspected that there might have been some problems with his family members. That's why he was asked to write the biography. And I believe the question, the way it was posed, mischaracterizes the testimony of the witness. The witness did not say that he had problems, and that's there were problems with the family, and that's why he was asked to write the biography. So he suspected. I do think that there's an attempt by the prosecution to link one with the other, and that would be misleading. Je vais passer à une autre question, Monsieur le Président. Excusez-moi, vous avez dit que c'était Hong. Vous avez demandé de rédiger cette biographie. Est-ce qu'il vous a dit pourquoi exactement vous deviez rédiger cette biographie à ce moment-là? Est-ce que vous saviez, monsieur le témoin, qui était le chef ou le supérieur média de Hong? Est-ce que lorsque vous travaillez au ministère des Affaires étrangères, vous saviez qui était le ministre des Affaires étrangères? Quel était son nom? Est-ce que vous aviez connaissance au ministère des Affaires étrangères d'un certain nombre de sections qui composaient ce ministère, à part l'accueil des invités? Est-ce qu'il y avait d'autres sections au ministère des Affaires étrangères dont vous auriez entendu parler, d'autres bureaux? Merci.
ពេលនេះខ្ញុំមិនឃើញចាំមកនោះខ្ញុំនឹងហុងហ្មងតែថ្នាក់លើវាមានតែប៉ុណ្ណឹងគេណាគេបញ្ជាមកទៀតខ្ញុំមិនបានចោលរងចាំហ្នឹងពូខ្ញុំមកទៅផ្ទះទៅផ្លេចនឹកឃើញកន្លងមិនបាននឹកឃើញអីណាខ្ញុំគេហៅពៀនយាយគេនិយាយគុំទៅយុតិលឺទៀត អរគុណសំណាងសាប្រាជ្ញាអរគុណសាក់សីពេជ្រដំណើរការសំណាការសម្រាប់ថ្ងៃនេះដល់ពេលសូមនិមន្តត្រូវសម្រាប់ហើយខ្ញុំព្រះឡើងដំបូងប្រកាសផ្អាកកិច្ចដំណើរការសំណាការសម្រាប់ថ្ងៃនេះត្រឹមនេះសំណាការលើកទៅបន្តធ្វើនៅថ្ងៃច័ន្ទទី ប្រកបអនុរៈមន្ត្រីឃុំឃាំងនាំខ្លួនជនជាប់ចោទទាំង 3 រូបទៅកាន់ទឹកមន្ត្រីឃុំឃាំងនៃអបត.ក.បញ្ចុះហើយនឹងប្រកបឲ្យនាំខ្លួនគាត់ត្រឡប់មកកាន់បរិវេណនៃអង្គជំរះវិសាមញ្ញតុលាការបញ្ជាតុលាការកម្ពុជាគឺនៅបន្ទុករងចាំសម្រាប់សាក្សីនៅថ្ងៃច័ន្ទទី 6 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2012ដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈជាសាក្សីបំរុងប្រកបអនុរៈមន្ត្រីឃុំឃាំងនាំខ្លួនជនជាប់ចោទទាំង 3 រូបទៅកាន់ទឹកមន